الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا الشيخ عبد الله رحمات الله عليه في كتابه بغية الطالب صحيفة 125 باب الردة، والقسم الثاني الأفعال كسجود لصنم أو شمس إن قصد عبادتهما أو لم يقصد، السجود للشمس والقمر سواء قصد العبادة أو لم يقصد، مجرد السجود للشمس والقمر كفر، والسجود لإنسان إن كان على وجه العبادة، فالسجود على للإنسان إن أراد عبادته كفر، إن أراد التحية فلا يجوز لكن لا يكفر، كسجود بعض المتصوفة الجهلة لبعض المشايخ على وجه العبادة، بعضهم يسجد لشيخه على وجه العبادة لأنه يعتقد الحلول، يعتقد أن الله حل فيه، فهذا كفر لا شك فيه. أما لو سجد إنسان لإنسان على وجه التحية فلا يكون كفرا، إنما حرام في شرعنا. Alors on est dans le livre Bughyat al-Talib au chapitre de l'apostasie, c'est quoi les trois sortes de mécréance. On a parlé hier la mécréance par le cœur et aujourd'hui on va parler la mécréance par l'acte. Et on est à la page 125, Cheikh Abdullah rahimallah a dit que le deuxième sorte, les actes de mécréance, comme le fait de se prosterner pour un idole ou le fait de se prosterner pour le soleil ou le fait de se prosterner pour la lune. Même s'il a dit, moi je me suis prosterné comme ça, le fait qu'il a cherché à adorer ou non, le fait de se prosterner pour un idole, pour le soleil, pour la lune, c'est de la mécréance. Il n'y a pas ici à interpréter ou à discuter. C'est un acte qui n'aura lieu que d'un mécréant. Comment le fait de se prosterner pour un idole ou pour le soleil ou pour la lune, c'est de la mécréance. Et le fait de se prosterner pour un être humain pour l'adorer. Alors, se prosterner pour un être humain, pour l'adorer, c'est de la mécréance, comme ça s'est arrivé que certains qui prétendent être soufis, et leurs mashayikh, ils leur enseignent que Allah Ta'ala s'incarne dans les corps des saints, des walis. Et ça, c'est une croyance de mécréance. Man qala bil hulul fa dinuhu ma'loul. Celui qui dit Allah est le monde, c'est un grand kafir. Et celui qui dit Allah rentre dans les corps des awliya, c'est un kafir aussi, c'est un grand mécréant. Alors il y a certains qui se prosternent pour leurs mashayikh, comme c'était le cas de l'Hallaj. Ils ont demandé à une femme qui s'est mariée avec lui sans savoir son état, on lui a dit de se prosterner pour lui. Et ce qu'il disait, ma fil jubba illallah, il dit ce qui est à l'intérieur de jubba c'est Allah. Alors le père de cette fille après, il a mis en garde contre lui que c'est un kafir. Au début, il pensait que c'est un homme de bien, mais non, c'est un grand mécréant. Il croit qu'Allah s'incarne dans Al-Awliya. Il s'appelle Al-Hallaj, Al-Hussein al-Mansour Al-Hallaj. Et si certains ont parlé de lui en rapportant certains vers de poésie dans le tasawuf, dans l'ascétisme, parce qu'ils n'ont pas connu sa réalité. Ils n'ont pas su que c'est un homme égaré. Alors c'est pour cela des fois, ils disent dans leur poésie Al-Hallajiyat, mais en réalité c'était une personne qui était convoquée par le juge. Lorsqu'on a confirmé qu'il disait qu'Allah rentre dans les corps des gens, on l'a tué parce qu'ils l'ont considéré mécréant. Al-Sharh Al-Qism al-Thani min al-Ridda al-Fa'liya minha ou amthila ala thalik al-Sujud li-Sanam ou matukhida li-Yu'bad min dunila. Alors dans l'explication, dans le commentaire, il a dit dans l'apostasie par l'acte, le fait de se prosterner pour un idole. C'est quoi un idole? Se comprend pour l'adorer au lieu d'adorer Allah. Il y a des gens qui prenaient des statues, du en bois, en pierre, certains arabes en date. Il fait un statue en date, si la faim il le mange. Mais hier il l'a adoré, aujourd'hui il l'a mangé. Et tu voyais là des pierres, parce qu'ils adoraient une pierre, après ils trouvent une pierre mieux, plus jolie que l'autre, ils jettent celui-là, ils adorent l'autre. Mais comment ça? Avant c'était un dieu et aujourd'hui tu l'as jeté? C'est-à-dire ce qu'il voit, ce qu'il pense, ce qu'il trouve comme pour lui, son ego penche vers ça, il le prend et il l'adore.
معاذ الله معاذ الله. شوف الإسلام ما أعظمه، لا نعبد مخلوقا نعبد خالقا، وكل ما سوى الله مخلوق. Regardons cette règle dans l'islam. On n'adore jamais une créature, on adore Allah le créateur. Et il n'y a qu'un seul créateur. On te dit Dieu en français, Allah en arabe, God en anglais, God en allemand, Khoda en perse. C'est Allah le créateur. C'est lui qu'on l'adore et on n'adore jamais une créature. Ni un ange, ni un malak, ni un nabi, ni un wali, ni une créature noble. Non, non, non. L'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et c'est tout. فمن سجد لصنم اعتقادا او بغير اعتقاد كافر، لان هذا الفعل لا يصدر الا من كافر. لو فات دو سو كوستغني ان ايدول سي دو لا ميكرونس كي لا كرو كو سي ان ديو او اي لا كرو كو سي ان سي اون بيير مي تو تي بروسترني بور لوي اي سي ان اك كي نورا ليو كو دان ميكريون الوغ سي بور سولا ايزون دي الفقهاء اجمعوا على ان من فعل فعلا لا يصدر الا من كافر فهو كفر. سي لوي كي افي ان اك كي نو سو برودوي كو دان ميكريون. Alors, celui qui l'a fait, il a mécru. Et le fait de se prosterner pour un idole, c'est un acte qui ne se produit que d'un mécréant. كذلك الذي يسجد للشمس أو للكوكب أو للقمر ونحو ذلك. Le fait de se prosterner pour le soleil, pour la lune, pour le feu, pour un arbre, pour un arbre, pour le feu, alors ça, c'est un acte de mécréance. أما من سجد لملك أمير ملك سجد على وجه التحية فنقول له حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ما هذا؟ قال يا رسول الله رأيت أهل الشام يسجدون لبطاركتهم وأنت أولى. قال لا تفعل، لو كنت آمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Alors si quelqu'un se prosterne pour un roi pour le saluer, un roi ou un amir ou un autre pour le saluer, alors on dit ça c'est haram. Maintenant, s'il se prosterne par la tête comme ça, pour le saluer comme ça, alors ça c'est déconseillé. C'est pas haram, c'est déconseillé. Mais mettre le front par terre pour quelqu'un pour le saluer, ça c'est haram. La preuve que Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit à Mu'adh lorsqu'il est venu du pays du Sham et s'est prosterné pour Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam lui a dit, mais c'est quoi? Ya Rasulallah, j'étais au pays du Sham, j'ai vu les gens là-bas, ils sont prosternés pour leur patriarche, et toi tu mérites plus. C'est-à-dire qu'on te salue de cette manière. Sayyidina Muhammad a dit, ne fais pas ça. Si j'aurais ordonné à une personne de se prosterner pour quelqu'un d'autre, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner pour son mari. Signe qu'elle sait que c'est l'homme où il y a plus de droits sur elle, c'est-à-dire la personne qu'elle doit le respecter le plus. يعني مي لو بروفيت نا جامي اوردوني ا اون بيرسون دو سو بروسترني بور اون نوتر بيرسون اون كرياتور الوغ الى دي نو في با سا. اما من سجد للملك على وجه العباده فهو كفر. سيلوي كي سو بروسترن بور ان روا بور لادوري كي سوا ان روا او اوتر ميم سيل سو بروسترن بور ان انفون بور لادوري سي لا ميكرانس. سجد للملك ولا الانسان ولا للطفل سجد له على وجه العباده فهذا شرك، هذا شرك. أما السجود قبل في الشرائع من قبلنا كان يجوز السجود لإنسان على وجه التحية، لأنه إخوة يوسف وأبيه سجدوا له، وقال يوسف لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل لما قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Alors la prosternation pour saluer dans les lois avant Sayyidina Muhammad, les lois des prophètes messagers ou avant Sayyidina Muhammad, c'était permis. Et voilà, on cite que lorsqu'il y a les 11 frères de Youssouf et son père et sa mère sont venus, ils se sont prosternés pour lui et il a dit, mon père, c'est ça l'interprétation de mon rêve. 40 ans après, il a dit, voilà l'interprétation du rêve. Et ça veut dire que le rêve, ce n'est pas une condition qui soit interprétée dans la semaine qui vient ou dans le mois. Ça peut être des longues années après. فقد قال كثير من المفسرين إن السجود إخوة يوسف وأبويه ليوسف كان سجودا بوضع الجبهة على الأرض، لأن ذلك كان جائزا في شرع يعقوب. Beaucoup parmi علماء الإسلام ont dit que la prosternation de frère de Youssouf et ses parents était par le fait de mettre le front par terre parce que c'était une chose permise dans شريعة يعقوب. كذلك سجود الملائكة لآدم على أحد التفسيرين. Encore la prosternation des anges pour Adam, pour le saluer, c'était comme ça, en mettant le front par terre.
dans un des deux interprétations, parce que certains ont dit c'est le fait de se sont inclinés pour lui, et d'autres ils ont dit par le fait de mettre le front par terre. دليل الحرمة في شريعتنا الحديث الذي ذكرته le hadith que je viens de le citer au sujet de Mu'adh, ça prouve que dans notre sharia c'est interdit de se prosterner pour un être humain, même pour le saluer c'est interdit, et le fait de baisser la tête, s'incliner un peu, c'est déconseillé. يكره الانحناء لآدم لإنسان على وجه التحية مكروه. السلام في الإسلام تعرف بالقول وإذا شئت بعد ذلك مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة. Comment on salue dans l'islam? On vient, on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et tu prends par la main, tu lui serres. كانت المصافحة بين أصحاب رسول الله, les compagnons du prophète, حتى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام il serrait les mains de ses compagnons, mais sauf que سيدنا محمد ne lève pas la main en premier. ما كان ينزع يده أولا من حبه لأصحابه وتواضعه. C'est un signe de modestie et ça montre l'amour pour ses compagnons. C'est pas سيدنا محمد qui levait la main en premier. إذا كانت المصافحة هكذا تكون التحية في الإسلام بالسلام بالقول والمصافحة, ولا بأس إن كان غائبا أن تضمه. Alors maintenant, si ça fait un moment que tu l'as pas vu, il était en voyage et tu lui as pris par la main, encore il n'y a pas du mal dans cela. الحديث معاذ بن جبل لما سجد للنبي رواه ابن حبان. Le hadith de Mu'adh qui s'est prosterné pour Sayyidina Muhammad comme salutation, rapporté par Ibn Hibban, Ibn Majah et d'autres, et il est considéré sahih, il est considéré hadith sahih. هذا التفصيل في السجود لغير الله هو في سجود إنسان لإنسان. أما سجود الشخص للصنم أو للحجر والشجر والنار ما في تفصيل, كفر محض من غير تأويل. لا لا le fait de détailler si on se prosterne pour un être humain, on dit pour l'adorer c'est la mécréance, pour saluer c'est haram. Mais le fait de se prosterner pour un idole, pour le feu, pour un arbre, pour une pierre, alors ça c'est de la mécréance, il n'y a pas de détail à ce sujet. لأن هذا فيه نهاية التذلل, هذا للحجر والصنم, وقلنا فعل لا يظهر إلا من كافر. Pour un idole, pour une pierre, pour un arbre, c'est un acte qui ne sort que d'un mécréant. Et ils ont dit, قالوا بالإجماع, من فعل فعلا لا يصدر إلا من كافر فهو كفر. Celui qui a fait un acte qui ne se produit que d'un mécréant, alors cet acte est de la mécréance. والسجود للشمس والقمر والحجر والشجر والنار لا يصدر إلا من كافر فهو كفر. هلا العبادة نهاية التذلل, هذا تعريف العبادة. العبادة نهاية التذلل. C'est quoi la définition de l'adoration? L'adoration c'est l'humilité absolue, l'humilité absolue. Ou tu peux dire al-ibada nihayatu ta'zim, la glorification extrême. Ou tu dis encore dans la définition al-ibada at-ta'atu ma'a al-khudu', l'obéissance complète avec l'humilité, avec la soumission complète. Voilà, l'obéissance avec la soumission complète. Hadha ta'rif a'immat al-lugha. Lam yaqul ahad min a'immat al-lugha مجرد الاستعانة بالغائب أو نداء الميت شرك. Il n'y a pas un imam qui a dit si tu demandes le secours de quelqu'un qui est absent ou quelqu'un qui est mort tu l'as adoré. Non. لأن الله قادر أن ينفعنا بالأحياء والأموات, parce que Allah Ta'ala est le tout puissant pour nous faire profiter par les vivants et les morts. وقد حصل من أصحاب النبي هذا الذي أقوله أن نداء ميت حصل من أصحاب النبي. C'était quelque chose qui a eu lieu de la part des compagnons du prophète. بلال بن الحارث المزني قال يا رسول الله استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. Il y a le compagnon qui s'appelle بلال بن الحارث المزني qui a dit ô messager de Dieu, يا رسول الله, demande à Allah تعالى la pluie pour ta communauté parce qu'ils vont périr, parce qu'il y avait une sécheresse. الحديث رواه البيهقي وأورده ابن حجر العسقلاني وأيضا أورده ابن كثير وقالوا الحديث صحيح. Le hadith n'est pas faible, c'est un hadith sahih rapporté par al-Bayhaqi, il l'a encore rapporté Ibn Kathir, il l'a rapporté encore Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari et avec d'autres hadiths encore. Alors, فإذا تكفير
القول بأن من ينادي ميتا كافر هذا قول باطل غير صحيح، افتراء وتكفير بغير حق. Alors le fait de dire, le fait de demander au secours à un mort ou demander un dua de la part de quelqu'un qui est dans la tombe, que c'est de shirk, c'est pas juste. C'est une chose qui a eu lieu de la part des compagnons, c'est des choses qui ont eu lieu après par des imams par la suite. حتى شعار المسلمين كان في معركة مسيلم الكذاب كان بعد وفاة النبي يا محمد يا محمد. Le slogan des musulmans dans la bataille de Musaylima le menteur, c'était une bataille très dure, très dangereuse et très dure. Il y avait beaucoup des sahaba qui ont appris le Coran par cœur qui ont été tués. Et leur slogan dans cette bataille, ils disaient à sahaba, Ya Muhammada, Ya Muhammada. C'était comme ça, ils citaient dans leur bataille. Et on n'a pas dit ça, c'est du shirk, parce qu'ils ont appelé et ils ont dit Ya Muhammada. Après la mort, tout en croyant que c'est Allah le créateur, c'est Allah qui prédestine pour toutes les créatures. مع الاعتقاد أن الله هو الخالق لكل شيء وهو المقدر. أما بعد ذلك تطلب الإعانة من حي أو ميت هذا من باب الأسباب ويجوز الأخذ بالأسباب. Le fait après demander l'aide de quelqu'un qui est vivant, demander l'aide de quelqu'un qui est mort et tu sais c'est un نبي ou c'est un ولي والأنبياء والأنبياء الله تعالى قد يعطيهم شيئا بعد مماتهم والأولياء قد يعطيهم الله تعالى شيئا بعد مماتهم والله قادر أن ينفعنا بالأحياء والأموات فليس شركا. هذا نبي الله موسى نفعنا بعد موته. موسى était profitable pour nous après sa mort parce qu'il a dit à سيدنا محمد demande à الله تعالى un allègement. Les prières étaient 50, après ils sont devenus 5 et c'est موسى qui a demandé et c'était quelques milliers après sa mort, mais الله تعالى l'a fait réunir avec سيدنا محمد au 6e ciel. تبهنا الله قادر. الله تعالى غني الذي يبعث الأموات لا يعجزه شيء. C'est lui qui ressuscite tous les morts. لا شيء يعجزه. كأن الوهابيين هل يشكون بقدرة الله على كل شيء؟ فهذا كفر. إذا كانوا يقولون لا الله قادر على كل شيء إذن لما تمنعون؟ Si les wahhabiens ils disent non, Allah n'est pas le tout-puissant, ils doutent. Est-ce que Allah peut nous faire profiter par les morts? C'est de la mécréance. Allah est le tout-puissant. Allah est tout-puissant. Si Allah a voulu qu'on profite de Sayyidina Muhammad après sa mort, d'ailleurs Sayyidina Muhammad il fait dua pour nous, pour sa communauté après sa mort, et son dua est profitable. وهذه العبادة هي المرادة بقوله تعالى إياك نعبد. On a dit l'humilité absolue, la glorification extrême. C'est ce qu'on dit dans Al-Fatiha. إياك نعبد. C'est-à-dire on fait la ibada pour lui seul. On voue l'ibada pour Allah Ta'ala seul et on n'adore rien d'autre. On n'adore rien d'autre. Abadan. Abadan. On n'adore rien d'autre. C'est Allah qui mérite d'être adoré et rien d'autre. Ni Sayyidina Muhammad, ni Jibril, ni autre. لكن لا يجوز أن تسمي فعلا جائزا عبادة وهو ليس من العبادة. مثلا, il ne faut pas dire à un tel acte qui est permis qu'on fait التوسل والتبرك والاستعانة par quelqu'un qui est vivant ou loin ou proche, mort ou vivant, dire que ça c'est ibad. Non, c'est pas juste. Anta, tu es en train de dire quelque chose que les savants de l'islam n'ont pas dit. Anta taqul shay'a lam yaqul bihi ulama'u al-muslimin wa nahnu la narda an yabtadi' al-insan shay'an fi ad-din lam yaqulhu rasulullah wa la ashabuhu wa la al-ulama'u al-amilun. C'est-à-dire le fait d'innover des choses dans l'aqida, innover quelque chose et dire ça c'est du shirk et c'est pas une chose qui est dite par Sayyidina Muhammad ni par les compagnons ni par les savants de l'islam, c'est pas quelque chose qui est accepté. وكذلك هو المراد في قوله تعالى الذي حكى قول المشركين انهم قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. Tu vois au temps de Sayyidina Nuh, ils avaient des 5 wali, grand wali, et ils ont adoré ces 5 saints et ils ont fait des statues et ils les ont adorés et ils ont dit on ne les adore que pour avoir l'agrément de Dieu, mais c'est pas valable parce que vous avez adoré autre que Allah, c'est pas par ça que vous auriez l'agrément de Allah.
أنت تريد رضا الله، تطيع الله، تعبد الله، لا تعبد غيره، لا تعبد غيره. إذا عبدت غيره هذا لا يقربك إلى الله. أما مثلا قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني تتبع الرسول الذي أرسله الله. فما قال لنا حرام قلنا حرام، ما قال واجب قال قلنا واجب، ما قال مباح قلنا مباح، نتقيد بهذا. هنا نطيعه فيما أمر لكن لا نعبده. Mais la communauté de Nuh, ils ont adoré des personnalités, des grands awliya qui adoraient Allah. Les awliya, ils étaient des bons musulmans, des bons musulmans, adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Et le shaitan les a rusés. Il a dit, il faut faire des statues pour ces gens-là, pour faire comme eux, ne pas les oublier. Après, il a dit, mais vous ne faites pas propre, vous n'êtes pas pur comme eux, ceux qui adorent Allah. Il faut qu'ils soient comme ça, vous faites des péchés, vous êtes sales, vous devrez passer par eux. Et ils ont commencé à adorer les statues de ces gens-là. Et là, c'est Allah Ta'ala a envoyé Nuh pour dire que c'est des shirks, vous n'avez pas le droit. Ils n'ont pas accepté, ils l'ont frappé. Jusqu'à l'évanouissement. Il a fait 950 ans avec eux. Et 80 et quelques qui ont accepté. Le reste n'ont pas accepté. Ce n'est pas parce que Nuh, il n'a pas les moyens et les preuves et les arguments. Non, il est un grand Nabi, Azim, Rasoul. Il a tous les arguments. Mais c'est des gens orgueilleux. C'est des gens orgueilleux. Des fois, moi, j'ai fait un jour avec un frère avec moi. Et on a fait un débat avec un wahhabi. Après 3 heures, il a dit, vous ne m'avez pas convaincu. Mais on a amené beaucoup d'arguments. On a amené beaucoup de livres, beaucoup d'arguments, beaucoup. Ah, j'ai dit, attention, le problème n'est pas chez nous. Hein. Nous, on a fait avec toi 3 heures, tu n'as pas accepté. Et Moussa et Haroun, ils ont fait peut-être 9 ans avec Pharaon. Il n'a pas accepté Pharaon. Ce n'est pas le problème de Moussa et Haroun. C'est le problème de Pharaon. Après 9 ans, il n'a pas accepté. Ce n'est pas parce que Moussa n'avait pas l'argument. Parce que Pharaon était orgueilleux. Et toi, tu es orgueilleux. Tu es comme Pharaon. Tu n'acceptes pas la vérité. On n'est pas faible. On a donné tout ce qu'il faut. Mais on est en face de quelqu'un arrogant. C'est le problème. Lama btkoun am tatkallam ma insan mutakabbir. وهو هذا الكبر نوعان، رد الحق على قائله نوع، رد الحق على قائله واحتقار الناس. بعض من ينتسب إلى التصوف عنده كبر، وبعض من ينتسب إلى الوهابية عنده كبر. أما الإنسان الذي يبحث عن الحق وليس متكبرا في الغالب لما ويكون عنده شيء من الفهم يقبل. Je dis que certains qui s'attribuent deux fois au tasawuf, ils ont l'arrogance et l'orgueil. Ils n'acceptent pas la vérité. Ils disent, moi je suis mon cheikh. Mais ce n'est pas comme ça dans l'islam. Al-Sheikh Abdul Qadir al-Jailani, radiyallahu anhu, a dit, si tu trouves de ton cheikh quelque chose qui contredit la religion, tu le conseilles. S'il a accepté, tu restes avec lui. S'il n'a pas accepté, tu le quittes et tu sois avec al-Shara. Tu restes avec la religion. Alors, mais il y en a, c'est des gens arrogants, ils disent, voilà, moi j'ai appris comme ça, je reste comme ça. Mais Sayyidina Muhammad n'a pas enseigné ça. Al-Qur'an n'a pas dit ça. Les savants de l'islam, ulama ou l'islam n'ont pas dit ça. Alors, c'est l'orgueil. Allahu hasibuhum yawm al-qiyamah, c'est Allah qui le juge le jour du jugement. Et des fois, il y a encore l'Wahhabiyya, ils sont comme ça, sont orgueilleux, tu leur montres les preuves, les arguments, tout ce que tu veux, et ils ne veulent pas accepter, c'est l'orgueil. Mais tandis que celui qui cherche la vérité, et il est modeste, il n'est pas orgueilleux, il cherche la vérité. Il a un peu d'intelligence, souvent ces gens-là, tu ne trouves pas de difficultés, ils acceptent le fait qu'Allah Ta'ala leur a donné la modestie, et ils ont un peu de sagesse, un peu d'intelligence. Un peu, parce que des fois tu as besoin de quelqu'un qui comprend un petit peu, sinon c'est difficile. De faire comprendre celui qui ne comprend pas, et c'est difficile de convaincre un orgueilleux. Vous voyez, deux prophètes messagers, Nabiyayn, Azimayn, Moussa ou Haroun, 9 années, ma'a Pharaon, ma qabil, il n'a pas accepté. Parce qu'il était arrogant, parce qu'il était orgueilleux. فإذن قوم نوح عبدوا هذه الأوثان فلذلك الله أرسل نوح إليهم ونهاهم عن الشرك أما لأن يحاول الوهابية أن يقولوا أن قوم نوح لا كانوا فقط يتوسلون بهم لا كانوا يعبدونهم وإلا ليش أنكروا على نوح وقالوا وما نعبدهم الله أخبرنا أنهم قالوا وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى
Alors, le wahhabisme, ils essayent de dire que vous, les musulmans, aujourd'hui, vous êtes comme les mouchriquines au temps de Nouh. Parce que les mouchriquines au temps de Nouh, ils n'ont pas adoré les idoles, ils ont fait seulement tawassul al-isti'ana. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran al-Karim, dans Sourate Az-Zumar, qu'ils ont dit, et on ne les adore que pour nous rapprocher de Dieu. Mais ils ont dit, on ne les adore que pour avoir l'agrément de Dieu. Mais ils les ont adorés. Ils ont fait l'humilité absolue. Ils ont fait la glorification extrême. Et c'est ce que le shaitan les a rusés. Il a dit, vous devrez adorer ces gens-là. Et eux, ils intercèdent pour vous. Et Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on adore autre que lui. Allah Ta'ala n'accepte pas qu'on adore autre que lui. أما الاستعانة وليش؟ لو كان مجرد الاستعانة بغير، لأنه بقول لك واحد ليش تعمل انترميديير؟ ما هيك؟ غالبا الوهابي بقول لك ليش تعمل انترميديير بينك وبين الله؟ بارتو إل ديز الوهابي إل ديز بوركوا تو في ان انترميديير أونتخ توا إي ديو؟ هؤلاء إما قرأوا القرآن أو أنهم ما قرأوا، فإذا قرأوا القرآن مصيبة مصيبة، قرأوا القرآن وما فهموه وما فهموه. Ces gens-là, soit ils ont lu le Coran, soit ils n'ont pas lu. S'ils ont lu et ils n'ont pas compris, c'est très grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Huna, dans l'aya, Allah a dit que si ses compagnons, les compagnons du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam, ont désobéi, ont été injustes envers eux-mêmes, ont désobéi, s'ils sont venus vers toi, et il te demande de faire l'istighfar pour eux, il allait trouver qu'Allah Ta'ala est miséricordieux et clément. Alors, on voit qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala, dans l'aya, a ordonné aux compagnons de prendre Sayyidina Muhammad comme intermédiaire pour faire dua. On n'a pas pris comme intermédiaire pour l'adorer, pas du tout. Abadan. Inna ja'uka fastaghfirullah. Mais si quelqu'un dit, moi, si j'ai désobéi à Dieu, je peux dire à l'intérieur de ma maison, mon Créateur, il n'y a rien qui pardonne. Personne ne pardonne les péchés à part toi. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ مَا أَحَدْ لَا أَحَدْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Personne ne pardonne les péchés à part Allah. Alors je dis, oh Allah, pardonne-moi. C'est valable, tu peux dire ça. Tu peux dire ça. لكن إذا كانت أمك امرأة صالحة وأنت تقول يا رب اغفر لي وتقول لأمك يا أمه ادعو الله لي. Hein? Si tu as une mère pieuse, si tu as une mère pieuse, et toi tu as demandé à toi le pardon, et tu dis à ta mère, oh ma mère, fais des amours. Tu as adoré ta mère? Non, tu as demandé à ta mère de faire dua. واليوم المسلمين لما بيوقفوا عند القبر يقولون يا رسول الله اشفع لنا. هم يقولون هذا شرك. كيف هذا؟ هذا غباء. هذا غباء حماقة. Alors, et les musulmans aujourd'hui, à côté de la tombe de Sayyidina Muhammad, ils font assalam. Après, ils disent, Ya Rasulallah, as'aluka shafa'a, ô messager de Dieu, demande à Allah Ta'ala qu'il le moi le pardon, c'est-à-dire soit dans le jour du jugement, ou aujourd'hui, demande à Allah Ta'ala qu'il me pardonne. C'est comme si tu as demandé à ta mère ou à ton père. Mais ils disent, le prophète mat, mais il est vivant dans sa tombe. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Le Bayhaqi, il a fait tout un chapitre à ce sujet. Al-anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Alors, ma sahih an tushabbih al-muslimin bi'abadat al-awthan, hada zulm, hada zulm, wa sabl al-muslimin. Le fait de comparer les musulmans qui font tawassul wal-isti'ana par al-anbiya wal-awliya, les comparer aux idolâtres, c'est de l'injustice, c'est une insulte envers les musulmans. تعرف واحد اسمه محمد احمد باشميل من جهال الوهابيه، يعني هن بيقولوا من علماء الوهابيه، من جهال الوهابيه، محمد احمد باشميل يقول ابو جهل وابو لهب اكثر توحيدا واخلص ايمانا. يقول اكثر توحيدا واخلص ايمانا من هؤلاء المسلمين الذين يتوسلون بالانبياء والصالحين. Il y a quelqu'un qui s'appelle Mohamed Ahmed Bachmel. Il a fait un livre, كيف نفهم التوحيد, tout ça. Il a dit Abu Jahl et Abu Lahab, ce sont deux grands mécréants, deux grands ennemis à Sayyidina Mohamed. Il a dit ces deux avaient plus de foi, plus de l'iman que les musulmans d'aujourd'hui qui font tawassul et isti'ana par l'anbiya ou l'awliya. كيف هذا الأمر؟ كيف هذا الأمر؟ ابن الجوزي يقول اللهم إنا نسألك بالحبيب بخلقه وإبراهيم بخلته
أن تغفر لنا، أن ترحمنا، أن توفقنا. ابن الجوزي دون سيغتان ليفر il dit je او الله on te demande par الحبيب avec son comportement الخليل ابراهيم avec son degré de الخله de nous pardonner de nous guider. Mais ça c'est une chose que les musulmans même انت لما بتجي على الجمعة ما في دعاء تقول اللهم اني اسالك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا. Lorsque tu viens à la prière de Jumu'ah, il y a un dua. Tu dis, oh Allah, je te demande par le mérite de ceux qui ont de mérite auprès de toi. Allahumma inni as'aluka bihaqq as-sa'ilin 'alayk wa bihaqq man sha'a hadha bil akhir an taghfir li dhunubi wa tunqidhani min an-nar. Que tu me pardonnes, que tu m'éloignes du feu de l'enfer. وقد يعني بنرجع لموضوع الأسباب. إذا أنت بتقول أنت ما تجعل بينك وبين الله سبب، طيب إذا خلص ما بقى في مستشفيات، أي عم يقصوا لنا المستشفيات، ما بقى نروح على المستشفيات وما بقى نروح على ندرس طب، الله هو الشافي. قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. سيل ديز il faut pas faire un intermédiaire. Alors lorsque je tombe malade, je vais pas chez le médecin. Il faut pas aller aux hôpitaux, de toute façon, voilà, il y a des gens qui bombardent même maintenant les hôpitaux, là où il y a les malades, là où il y a les enfants et les femmes, on les bombarde. Alors, on dit il faut fermer tous ces hôpitaux, il ne faut pas avoir la médecine, parce que Allah Ta'ala a dit dans le Coran que Ibrahim a dit wa idha maridtu fahuwa yashfin. Si je tombe malade, c'est Allah qui me guérit. C'est dans le Coran. C'est Ibrahim qui a dit wa idha maridtu fahuwa yashfin. Est-ce que ça veut dire tu n'as pas le droit d'aller vers le médecin? Est-ce que l'ayah veut dire que c'est haram d'aller vers un médecin, demander un médicament si tu tombes malade? Non, ça ne veut pas dire ça. Alors que ça veut dire, Fawayashfin, c'est Allah qui crée la guérison. C'est Allah qui crée la guérison. Alors si je demande l'aide de quelqu'un qui est vivant ou mort, et je crois que c'est Allah le créateur, il n'y a pas de shirk. Madame, tu dis, c'est Allah qui crée tout. C'est Allah Ta'ala qui crée tout. Donc, واحد مثلا من يعني من أئمة الحديث من المحدثين إلى دي جي يو ان فيرونكل فيرونكل دم هذا سي دور سي دور إلى دي جي ايتي شي لي ميدسان جي ايتي جي جي بارتو جي ايتي بارتو اي جي با تروفي غيريزون جي ايتي على فان فير لا تومب دو الإمام أحمد جي فروتي لا مان لا او إليا لو لا افيك لا 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 تومب ابري جي تروفي غيريزون الوغ سي جون لا ايل فون دير سي مشرك. Mais ça a été rapporté par les grands huffaz. Anno huwa masaha yadahu haffaha bi qabr al-Imam Ahmad ba'd ma ايش عمل بالاسباب العاديه. لما عمل بالاسباب العاديه ما وجد، عمل سببا غير عادي. ما هو السبب غير العادي؟ ان هذه بقعه مباركه قد يخلق ربي الشفاء ببركه هذا الامام قد. فمن اين يطلع عندهم ان هذا شرك؟ من اين؟ اذا انت بتقول البركة في قبر الإمام أحمد بخلق الله وممكن يكون بركة، طبعا ممكن، طبعا طبعا ممكن، الله يجعلها في قبر من يشاء. وإذا كان هناك بركة هل يمكن أن تصيبني؟ يمكن، كيف لا يمكن؟ يمكن. طيب إذا أنا فعلت على هذا أنت بتقول مشرك؟ أنت مختل عقليا يا إنسان، روح شوف حالك، مختل عقليا، مختل فكريا. alors j'ai dit par exemple ce imam-là, il a cherché les soins habituels avec tel médicament et tel médicament, ça n'a pas réussi. Lui, il croit que l'imam Ahmed, c'est un grand imam. Et ça tombe, c'est possible qu'il y aura une baraka. Je peux croire qu'un endroit béni. Et je peux croire qu'il y a la baraka dedans. C'est Allah qui a créé, c'est pas Ahmed, c'est Allah. Maintenant, un endroit béni, est-ce que si je vais là-bas, je peux avoir de la baraka? Oui, c'est possible que tu peux avoir la baraka, comme tu peux ne pas avoir toi, mais c'est possible que tu auras la baraka. Alors lui, il a cherché ça, il a fait la cause, et Allah Ta'ala lui a donné guérison. C'est Allah qui a créé la guérison. Alors maintenant, le fait de dire ça, c'est du shirk, j'ai dit, mais c'est de la folie, c'est de l'idiotie, c'est de la stupidité. Où est le shirk ici? On n'a rien dit que Ahmed a créé, non. On n'a pas dit la pierre a créé, non. On n'a pas dit la tombe a créé, non. Ils disent Al-Quburiyoun. Haydi kelme, biradded al-Wahhabiyin. Yiraddedu al-Wahhabiyin, mitl ma biradded Iblis, kathiran min makrihi.
J'ai dit, le Wahhabine, il répète toujours, 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 Al-Quburiyoun, Ubbad al-Qubur, ceux qui adorent les tombes, les tomburiyoun, les Quburiyoun. Il répète comme les diables lorsqu'il répète certaines choses pour ruser les gens. Et il répète la même chose. Mais les musulmans, ils n'ont pas adoré l'Aulia durant la vie, ils vont l'adorer après la mort. يعني أهل مصر شوف أنا بالغالب بعرف إنه بعد الزواج بيمروا بعد العقد عند السيدة نفيسة للبركة للدعاء هلا صاروا مشركين أهل مصر ما صحيح après qu'ils font دعاء العقد ils passent par dans d'autres pays ils passent par la tombe de البخاري par d'autres ils cherchent des endroits bénis بيدعوا الله هناك pourquoi un endroit béni لأن من زمن السلف depuis la période du salaf À Bagdad, il y avait la tombe d'un grand wali, اسمه معروف الكرخي. وأولياء الأمة هناك في ذلك الزمان قالوا هذا القبر معروف لقضاء الحوائج، مجرب لقضاء. يعني إيش؟ يعني البقعة مباركة الله يقضي الحاجة فيها. مثل كأنك أنت قريب من الكعبة، قريب من قبر النبي عليه الصلاة والسلام، أو داخل مسجد. داخل المسجد أحسن من إنه تكون داخل السوق. أنت بقرب رجل عبد الله. على الصلاح والإخلاص 60 سنة مش مثل لما تكون قرب إنسان كان يشرب الخمر طول الوقت. Le fait de faire du'a à côté de la Kaaba, à côté de Sayyidina Muhammad, à l'intérieur d'une mosquée, à côté d'une tombe où il y a un grand wali qui a adoré Allah Ta'ala 60 ans en étant sincère, c'est pas comme le fait tu es dans le souk, tu es à côté d'un bar, d'un cabaret ou dans la tombe de quelqu'un buveur d'alcool. C'est pas la même chose. Champs-Élysées et la mosquée, c'est pas la même chose. Pentagone ou Maison Blanche, c'est pas la même chose. Là-bas, Pentagone, là-bas, on dit, voilà, Bin Laden qui a fait ce qu'il a fait à New York et on a attaqué l'Irak. Qu'est-ce que allait avoir l'Irak avec ça? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. Il y a seulement un pays, un beau pays, il y a la science, les universités, la tranquillité, les universités, les écoles, la sécurité, tout va bien. Alors ils ont rentré, les Américains, 1 million de morts au minimum. Avec les effets, tu peux aller 2-3 millions après. Pourquoi? Ils disent, ah il y a celui-là, il va avoir la bombe, il va tuer tout le monde. Saddam Hussein, il a préparé des bombes pour tuer tous les gens sur Terre. C'est trop comme ça. C'est trop. Moi, j'ai dû... Le grand terroriste de ce siècle-là. Le grand terroriste de ce siècle-là. Il ne faut pas rater George Bush, hein, ni Tony Blair. Il ne faut pas les rater, ces deux-là. Ça devient dans les plus grands... Et ils sont toujours libres, hein? Ils vivent normal, il n'y a rien, comme ils n'ont rien fait. 1 million de morts, comme ils n'ont rien fait. Et l'Irak, jusqu'à maintenant, il ne s'est pas mis debout, ça fait 20 ans, il n'est pas encore debout. Revenons à notre sujet. Alors, on a dit, Al-Ibada, Nihayat al-Tazallul, celui qui l'a fait pour autre que Allah a mécru. Celui qui fait l'adoration, l'humilité absolue, la glorification extrême à autre que Allah, il a mécru. Mais nous, les musulmans, si on visite la tombe d'un wali, on cherche la baraka, on fait du'a, c'est pas ibada pour lui. Abadan. On croit que c'est Allah Ta'ala qui donne, c'est Allah qui prive. Si Allah a voulu, aura lieu. Si Allah n'a pas voulu, rien ne se passe sans sa volonté. Azza wa Jal. Et on dit à vous, vous allez à l'hôpital, vous demandez tel médecin, pourquoi vous faites? On cherche les causes. Ah, toi tu cherches les causes. Ah, tu cherches les causes. Chez les Allemands, chez les Anglais, chez les Américains, en prenant les médicaments, beaucoup d'alcool, beaucoup de graisse de cochon. Tu cherches les causes. Mais moi si je cherche les causes à côté d'un qabr Nabi Awali, ça c'est de shirk. Mais toi, tu n'as pas fait de shirk. C'est quoi deux poids, deux mesures là? Mizan fasid. تذهب إلى غير المسلمين تقول أنا عم ببحث عن الأسباب تأخذ دواء مخلوط بالخمر وكذا وما أعرف أنا ببحث عن الأسباب أنت سحبت تبحث عن الأسباب العادية وأنا أبحث عن أسباب اللي هي غير عادية ولكن هذا سبب الله يخلقه في أسباب ظاهرة في أسباب باطنة il y a des causes apparentes il y a des causes non apparentes مثلا
مثلا بدي أذكر آية في القرآن حتى بس شغل اللي ما بيفهم نخليه يفهم. ليش الله سبحانه وتعالى قال قلنا اضربوه ببعضها للبقرة واذبحوا بقرة وكذا؟ Égorger un veau, parce qu'il y avait un mort qui a été tué. On ne sait pas qui l'a tué. Et il y avait une fitna qui va avoir lieu. Allah Ta'ala a ordonné d'égorger un veau. Mais c'est qui ressuscite les morts? C'est Allah, ce n'est pas la vache. C'est Allah. Mais c'est Allah qui a ordonné d'égorger un veau. Au même بعد, قلنا ضربوه ببعضها. Allah a dit, prenez, ils ont dit un morceau du cuisse, certains ont dit la queue, de le mettre sur lui. Ahyahullah, ليس البقرة أحيته البقرة ذبحناها ذبحت. La vache était égorgée, le veau était égorgé. Et on a mis un peu de viande, le mort s'est relevé. Il ne faut pas croire c'est la viande qui a ressuscité, il ne faut pas croire ça. Mais c'est une cause, Allah a voulu qu'il soit ressuscité après ça, c'est Allah qui a voulu. Alors est-ce qu'on va dire c'est Allah qui a Moussa, tout ça, ils ont fait shirk? هل واحد بيفهم بيقول لا هذه شو هالقصة هيدي؟ شو هالقصة هيدي؟ لحم وما لحم وأحيا الله الميت باللحم وما اللحم؟ على قواعد الوهابية هذا عين الشرك. Selon les règles de l'Ouahabiyya, selon le statut de Ibn Taymiyyah, c'est ça le grand shirk. Parce que selon eux, tu as fait quoi? Tu as amené la viande, il faut adorer Allah, c'est la viande, ne fait rien du tout. Mais c'est Allah le créateur et Allah a fait que le fait de mettre ça, c'est une cause pour ressusciter le mort. هذا معنى طيب كمان من القرآن بس حتى للي ما بيفهم نحاول نخلي يفهم. يعني encore un autre exemple dans le Coran pour celui qui ne comprend pas. لأنه مشكلة الوهابيين ما في فهم. Le problème de l'Ouahabiyya, pas d'intelligence. C'est des gens qui suivent comme des moutons. سيدنا يوسف قال خذوا قميصي هذا. خذوا قميصي بخني منابي سا القوه على وجه أبي يرتد بصيرة. Vous lancez, vous donnez ça à mon père, il va voir. كيف هيدا هلا؟ كيف بدي يفسرونا إياها الوهابيين؟ Comment on va l'expliquer? Parce que pour eux, tu cherchais un habit? L'habit ne crée rien, c'est Allah le créateur. Alors bah, صار بدكم أنتم تعلموا سيدنا يوسف هلا. صار بدكم تعطوا دروس بالعقيدة لسيدنا يوسف على زعمكم. Alors selon vous allez donner un cours de tawhid à Youssef. Comment Youssef عليه السلام a envoyé un habit? C'est Allah Ta'ala le créateur, c'est pas l'habit. Alors vous avez tawhid, Youssef n'avait pas le tawhid. هون الهبل, c'est là où tu trouves l'idiotie, الحماقة, الجهل, الغفلة, qu'est-ce que tu veux? Et parce que سيدنا يوسف il a envoyé l'habit. Et son père, il va sentir l'odeur. Et l'odeur de Sayyidina Yusuf. Mais c'est qui crée? C'est Allah Ta'ala. Et l'habit, c'est une cause. والثوب سبب. ألقوه على وجه أبي يرتد بصيرة. هذا سبب. أما الخالق ليس الثوب. الله. C'est Allah le créateur. طيب. إذن السبب قد يكون قميص نبي, قميص ولي, بركة نبي, بركة ولي. Alors la cause ça peut être la baraka d'un wali, la baraka d'un nabi. La cause, هذا ليس من الشرك. الوهابية يقولون شرك. الوهابية اللي يستيدوا الشرك. طيب ليش السيدة أسماء بنت أبو بكر؟ السيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق أخت عائشة. La sœur de notre mère عائشة رضي الله عنهما. قال الله لزاقري. إلى في sortir la jubba. جبة النبي, جبة. La jubba que le prophète portait. قالت هذه جبة النبي اتيش عائشة après la mort de عائشة je l'ai pris. نحن نغسلها بالماء نسقيها للمرضى نستشفي بها. Nous on met dans l'eau l'habit dans l'eau, on donne l'eau aux malades pour la guérison. طيب الماء يخلق شيء؟ Est-ce que l'eau crée quelque chose? Pas du tout. Est-ce que la جبة crée quelque chose? Pas du tout. Mais c'est Allah le créateur. Mais pourquoi أسماء الصحابية بنت أبو بكر لا في أبو بكر الصديق بوركو عارف سا بس كل كرويي كو il y a la baraka de سيدنا محمد et avec la baraka on peut obtenir la guérison si Allah a voulu et on n'a pas dit c'est du shirk. إذا هذا شيء فعله الصحابة, c'est une chose que les compagnons ont fait et les autres n'ont rien compris.
بدهم يعلمونا التوحيد، بدهم يعلموا يوسف، بدهم يعلموا سيدنا موسى، بدهم يعلموا الصحابة. alors d'après الوهابيه ابن تيميه il faut donner des cours à Sayyidina Moussa, il faut donner des cours à Sayyidina Yusuf, il faut donner des cours aux compagnons du prophète, à Sayyida Asma, à encore donner des cours à Bilal ibn al-Harith al-Muzani, Uthman ibn Hunayf, que tous ces gens-là, ils nous ont rapporté qu'ils ont fait tawassul, qu'ils ont fait tabarruk, qu'ils ont fait pas mal de choses, mais tout en croyant que c'est Allah Ta'ala le créateur, Allah Subhanahu wa Ta'ala wa al-Khaliq. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، الله تعالى يفعل ما يشاء. أحيانا بدي أقول لكم، أحيانا مثلا بيكون هذا الأمر بالأصل بيقتل ولكن الله جعل فيه شفاء. دي فوا إلي دي شوز على باس كي تو، مش إذا ضربت واحد بالسكين ما بيموت في العادة، سي تي دون أن كو دو كوتو. إلي في كيلكان كي يفي لولسير، واحد عنده أرحى، il avait un problème dans l'estomac, il avait l'ulcère. Quelqu'un lui a donné un couteau. On prit à l'hôpital, tout ça, et c'est fini l'ulcère. On a réparé la blessure et l'ulcère est disparu par un coup de couteau. Parce que Allah a voulu. Une histoire plus étonnante. Il y avait un malade dans l'hôpital, et comme il y a plusieurs personnes dans la même chambre, ou voilà, et son odeur a dérangé les autres. Ya ammi khudou anqulou ma fi hada yrid. Prenez-le, éloignez-le. Non, vous allez patienter, vous allez patienter. Wahad alla kadab ila. Et il a quelqu'un, il a acheté du poison qui tue les chiens. Akhad sam bi'tul klab. Bsarah hatlou dose khafif, hatlou chwi. Il mettait un peu dans la nourriture du poison qui tue les chiens. Mais il ne mettait pas une grande dose, comme ça on va douter. On va douter qu'il a été tué et qu'il a mangé quelque chose. Il mettait des petites doses. Un jour, deux jours. L'autre là, il s'améliore. Après quelques jours, voilà, il n'y a plus rien, il a trouvé guérison. Alors à la base, il voulait le tuer. Mais le poison qu'il lui a mis, c'était son remède. Cette petite dose l'a fait guérir. الله تعالى جعل الشفاء بهذا السم القاتل. الله تعالى a voulu que celui-là trouve la guérison par cette dose qui à la base qui tue. Mais tout revient à la volonté de Dieu. كل الأمر خادنا الوليد سيدنا خالد بالح une ville parmi les villes de l'Irak. C'est comme خادنا الوليد était un homme victorieux, شجاع وقائد ومغوار. Alors ils ont mis dans la nourriture du poison. Et après la nouvelle a été qu'on a mis du poison pour toi. Alors il a demandé le poison lui-même. C'est pas le poison que vous avez. Mais donnez-moi le poison. Il a pris et il a dit Bismillah. Allah. مش كل واحد يعمل مثل خادم الوليد. خادم الوليد من عباد الله الصالحين. الله تعالى أزال عن قلبه افعل ولا يضرك. Il lui arrive dans le cœur fait et tu n'auras rien. Ça s'appelle al-warid. Al-abd al-salih yatihi warid min Allah annahu la yadurruk. Alors nous, on n'a pas le droit de faire. Tu ou tu dis ana sort wali بدي نط من الطابع العاشر فبتروح بتصير اربع شقف. Il y a certains, son cheikh qui est dajjal. Alors on a dit Khamnul Walid, il a bu, il n'a rien eu. Le poison, il n'a rien eu, il a transpiré. Mais c'est un wali, il a eu quelque chose de la part de Dieu. Mais il y avait un fond soufi à Beyrouth un jour. Rajab Dib, il s'appelle Rajab. قال واحد من التلاميذ انت صرت ولي. Il a dit toi tu es devenu un wali. هداك صدق, il a cru انا ولي, الله اكبر. Alors il a dit aux gens Beyrouth كل بناية 10-20 طابق, les grands bâtiments là-bas, il a dit vous allez voir un prodige, vous allez voir karama, venez je vous montre un karama. Il a cru qu'il est wali. Il a acheté 3-4 kilos de charbon, 4 kilos de fahm, et il a mis le feu, voilà, il a bien soufflé jusqu'ils sont devenus des braises du feu. Tu peux griller un mouton avec ça. Et il les a réunis dans le salon où il s'est assis. Il s'est assis, imagine qu'est-ce qui s'est passé.
Le postérieur plein de graisse, n'est-ce pas? Le postérieur plein de... Il a brûlé. Ils l'ont pris à l'hôpital 3 mois. Il était sur le ventre. 3 mois, il a perdu raison. Jan, roi. 3 mois, il était sur le ventre. Il était brûlé, je ne sais pas à quel 4e degré, la dernière là. Mais alors, il ne faut pas dire. Si quelqu'un il te dit, tiens, Wali, tu dis, je suis, qui suis-je? Ana, je sais, ana, ba'arif hali. حتى لو واحد قال لك رأيتك في المنام وكذا بشرك الله بالخير بس أنا بعرف حالي سي كلكان تو جيت في دون لو غاف افيك النبي محمد الحمد لله بون غاف الحمد لله مي موا جو مو كوني اكتويلمون جو سوي ان امبيريسو جو سوي جو في با بوكو دي شوز كوم il faut جو دوا مو ريبونتير فو با كو تو تو برون كو تو دي كوم لوتر جو سوي ان ولي وتروح تعمل لك شغله بحالك il faut que tu te vois toujours petit et tu travailles plus en devance والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.